السلام عليكم أزول فلاون بونجور. غزة est toujours sous les bombes. L'émotion soulevée par cette agression contre les populations civiles a soulevé une immense émotion dans les pays du Maghreb. Nous avons évoqué hier ces crimes contre l'humanité et nous y reviendrons demain dans nos deux émissions en français. Mais en Algérie aussi, à une toute autre échelle, bien sûr. Une communauté nationale continue de subir l'assassinat et la dévastation, sous le regard placide des forces de sécurité. Dans la vallée du Mzab, et tout particulièrement à Ghardaya, la population continue de vivre dans l'insécurité et la terreur. Tout récemment, un Mozabite, notre Wadjana Hussein, a été tué à coups de pierre, puis affreusement mutilé. C'est la 10e victime depuis le début des hostilités, si on peut dire. Le crime a eu lieu en plein jour, le matin, tout près des gendarmes et des policiers. Les assassins semblaient ne rien craindre. Ils se sont longtemps acharnés contre le cadavre de leur victime et sont repartis sans se presser. Cette insécurité, ce laxisme criminel des autorités, cette incroyable impunité dans une région où le nombre des gendarmes et des policiers a été fortement augmenté, sont plus qu'étonnants. C'est même désormais une évidence. Ce n'est pas, comme nous l'avons longtemps pensé, une question d'incompétence du régime à juguler la violence. C'est juste le contraire. Il ne fait plus de doute, après tant de crimes et de dévastations, qu'un complot a été mis en branle dans une région particulièrement fragile, autant par les communautés qui la composent, berbères et arabes, que par sa localisation dans un Sahara qui fournit la principale ressource du pays, le pétrole et le gaz. Jusqu'à maintenant, certains mouvements ouvertement alliés à Israël et aux chrétiens sionistes, les fameux évangéliques, ont vainement tenté de diviser les Algériens entre berbères et arabes. Ils ont tout fait pour provoquer un conflit, mais ce fut en vain. D'abord parce que la majorité des Algériens est arabe ou berbère, ou berbère ou arabe, comme on voudra, et que dans les régions à majorité berbère ou à majorité arabe, le complot a fait pchit. Les Algériens n'en ont eu cure, hormis quelques extrémistes qui ont rajouté de l'islamophobie, voire même de la judéophilie, à leur discours de haine et de division. Ils n'ont pas pu dresser les gens les uns contre les autres. Mais dans la vallée du Mzab, où les deux communautés, arabes et berbères, cohabitent relativement difficilement depuis quelque temps, pour des raisons historiques, religieuses et surtout économiques, le terreau était particulièrement fertile pour attiser les vieilles rancœurs. C'est cela qui se produisit. Un conflit entre les deux communautés explosa soudainement et, à son paroxysme, l'on découvrit avec stupeur que les policiers envoyés en renfort pour séparer les belligérants avaient pris fait et cause avec un camp contre l'autre. Des vidéos existent à profusion où l'on voit des policiers prêter main forte aux agresseurs, voire même à une bande nombreuse qui a saccagé laborieusement des sépultures et des mausolées centenaires. Les autorités défilèrent les unes après les autres à Ghardaya jusqu'au Premier ministre, qui promirent toutes de mettre fin à cette tragique situation, etc. Wali, ministre, DGSN, Premier ministre, tous affirmèrent que l'État allait y mettre bon ordre et enquêter sur les sombres dessous de cette soudaine flambée de violence. Mais rien ne vint interrompre de façon radicale et définitive les agressions et les saccages. Bien au contraire, les bandes qui sévissent se sont mieux organisées. Désormais, elles attaquent de façon plus ordonnée, plus rapide, mais bien plus terrifiante, voire meurtrière. Leurs membres se masquent le visage et sont ostensiblement armés d'armes blanches, de barres de fer, de lance-pierres et même de cocktails Molotov. Les forces de sécurité, gendarmes et policiers, ne font qu'observer, alléguant lorsqu'elles sont sollicitées par les agressés,
qu'elles ne peuvent agir sans ordre, de peur de sembler prendre fait et cause pour un camp contre l'autre. C'est proprement hallucinant. Et les Mozabites, la communauté la plus paisible, la plus organisée, la plus solidaire du pays, est maintenant au bord de l'explosion. Elle ne veut plus servir de matière première pour un complot annoncé. Elle ne veut plus que les siens continuent d'être ainsi tués dans l'impunité la plus totale. Certains parlent d'en appeler à la protection internationale, rien que ça, et d'autres à s'organiser pour s'autodéfendre. Et c'est peut-être cela que recherchent ceux qui veulent mettre le feu aux poudres. En l'occurrence, les questions restent posées. Qui est derrière cette cabale et dans quel but ? Il reste à dire que malgré tous ces malheurs, la grande majorité des Mozabites refusent d'entrer dans des logiques d'affrontement ethnique. Ils préfèrent parler d'agresseurs manipulés par des milieux occultes que de les désigner sous leur qualificatif ethnique. Aujourd'hui, nous allons voir Al-Watan. Rardaya, un nouveau décès, provoque des affrontements. Ensuite, Teassa. Rardaya, des affrontements après un nouveau meurtre d'un Mozabite. Et enfin, l'Echo News, après l'assassinat d'un autre jeune Mozabite, nouvelle escalade de violence à Rardaya. Avec nous pour parler de cette tragique situation, Faisal Mattawi, journaliste, Silhaj Mohamed Tallay et Nourdine Dadinounou. Alors, nous allons commencer par Faisal Mattawi, s'il est avec nous. Alors, Haj Tallay. Haj, c'est Haj Mohamed. Alain, merci de nous avoir rejoints pour parler de cette situation. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ramadan Karim. Alors, Haj, vous avez des nouvelles de Rardaya, de l'état d'esprit qui règne là-bas après ce dixième meurtre? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. On m'a fait part d'un communiqué qui a été diffusé. Par qui? Par qui, s'il vous plaît? Le communiqué. La société civile, Mujtama al-Madani. D'accord, alors? Là, avec votre email, je pourrais peut-être vous l'envoyer si vous le désirez. Oui, oui, bien entendu. Je vous remercie. Mais en substance, qu'est-ce qu'il dit, ce communiqué? En substance, il déplore bien sûr l'escalade, qui est un scénario maintenant qui est, semble-t-il, bien huilé. On déclenche ça tous les jeudis, c'est-à-dire dans les zones dites, entre guillemets, « Muharrara », comme si on était dans les territoires occupés. On cible les jeunes et les motards. Pourquoi ils passent de bon matin pour éviter les attaques et aller à leur travail? C'est ça le problème. C'est pas de la provocation. Mais là, on les caillasse. Bon, il y a eu des caillassages bien avant leur passage, des voitures qui ont été visées. Et puis donc, non, ce qui est encore plus grand point d'interrogation, c'est que l'autorité de la wilaya, la suprême, s'empresse d'annoncer que qu'il s'agit d'un accident, alors que des témoins visuels disent le contraire. Un accident, il avait un accident avec des pierres qui volaient. Si vous voulez, c'est un scénario bien huilé maintenant. Ouais. Et ce communiqué qui vient avant l'analyse médicale, sans la provocation, c'est-à-dire on est en train de dire à la population, vous appelez à la paix, nous, qu'est-ce que vous attendez pour vous soulever et pour qu'on puisse vous écraser une fois pour toutes. Voilà, c'est le message qu'on comprend à travers cette prolongation d'escalade. Et je déplore aussi cette manière désinvolte d'un ministre de l'Intérieur qui dit « Bon, nous avons une solution ficelée pour Rardaya, et à la sortie de l'APN,
en passant aux journalistes comme si c'était quelque chose d'anodin. Restez avec nous, Hajj Talaï. Daddy Nounou, c'est Nourdin. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam, wa rahmatullah, Ramadan Karim. Donc à vous et aux téléspectateurs de la chaîne. Merci. Alors, dites-nous, vous êtes à Gherdaïa, vous êtes sur place. Oui, je suis à Gherdaïa. Alors, maintenant... La poudrière. Maintenant, la poudrière. Maintenant, Hajj Mohamed Atlaï vient de nous dire que les autorités parlent d'accident de la circulation, que ce monsieur n'a pas été assassiné, qu'il n'a pas été achevé à coups de pierre, que les agresseurs ne se sont pas acharnés sur son cadavre. Et vous, qu'est-ce que vous en dites ? En fait, c'est pas moi, mais tous les citoyens de Gherdaïa connaissent très bien la réalité. À part apparemment les autorités et M. Louali qui déclarent autre chose. Oui. En fait, c'est devenu un rituel chaque jour du bon matin, voire même dans toutes les heures de la journée. Les Mozabites endurent depuis maintenant 8 mois dans ce petit tronçon de à peu près 500 mètres appelé un lobo. Donc là, quotidiennement, des gens sont caillassés, des passants par véhicule ou par motocycle sont caillassés et donc les dégâts matériels et corporels considérables sont enregistrés depuis maintenant 8 mois. Cette fois-ci, c'est pire, c'est la mort. Mais les gens qui caillassent, ces bandes qui caillassent les passants et les motocyclistes et les automobilistes, ils sont oui. Sur une hauteur, ils sont... Non, c'est un terrain, c'est très facile, maîtrisable, donc il n'y a pas volonté de part des services de sécurité de sécuriser ce tronçon. Et c'est toujours au même endroit. C'est toujours de là, depuis 8 mois. Et de là, donc, c'est le complot se clarifie de plus en plus. Monsieur Daddy Nounou, ces agresseurs se placent toujours au même endroit. Ça veut dire que tout le monde sait qu'ils sont toujours là. En fait, sur ce temps, hein, donc, dans des ruelles secondaires, ils arrivent, ils lancent leur pierre, ils repositionnent. Et la police et la gendarmerie, ils n'ont pas placé un barrage. Ils surveillent plutôt très bien ce tronçon. Dans les limites de ce tronçon de route, ils surveillent plutôt que d'autres gens viennent se défendre contre les agresseurs. Et comme ça, les agresseurs sont mis à l'aise, ils sont encouragés à faire ce qu'ils veulent. En plein quiétude. Alors, d'après vous, Sinordine, est-ce que c'est un complot? Est-ce qu'on veut faire exploser la région? Que cherche-t-on? Maintenant, c'est clair. C'est un complot. Et tout le monde à Gherdaïa a bien compris ça. C'est un complot prémédité, bien exécuté, bien exécuté au fur et à mesure et déclenché à des moments bien précis. Donc, hélas, on ne parle pas d'arbitrage des autorités, mais plutôt on demande aux autorités d'assumer leurs responsabilités régaliennes. Mais qui incombe à l'État. Et d'après vous, qui serait derrière ce complot? Et pourquoi? Pourquoi je ne pense pas qu'on puisse le savoir. C'est pour ça que c'est un complot. Le complot, c'est clair que c'est un complot, de par les indices qu'on voit. Oui. Mais qui est derrière, je ne pense pas qu'on soit pas même de pouvoir déterminer les comploteurs. Mais on demande à ce qu'il y ait une commission d'enquête. Cette demande est devenue de plus en plus insistante. Une commission d'enquête indépendante nationale pour mettre à l'évidence les tenants et les aboutissants de ce complot. On attendait Faisal Mattaoui pour participer avec nous. Malheureusement, on n'arrive pas à le joindre. Mais il y a une thèse qui circule. Il y a une thèse qui circule sur ce complot, oui. Ce qui devient de plus en plus évident, qui dit que des forces supranationales qui veulent couper, qui veulent faire exploser le pays, en fait,
ont essayé en Kabylie depuis des années maintenant de susciter la haine entre les Arabes et les Berbères. Mais comme la Kabylie est quasi exclusivement composée de populations kabyles, qui se sentent tout à fait en osmose avec leurs autres compatriotes, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont réussi qu'à enrôler petite minorité qui fait beaucoup, comment dire, les minorités agissantes et les majorités silencieuses. Alors, après des années, ils se sont rendus compte que ce complot, ils avaient mal calculé leur coup. Et ils ont pensé au Mzab, où là, il y a quelque chose d'assez particulier. Il y a deux communautés, l'une arabe, l'autre berbère. Et il y a des rancœurs larvées, de vieilles rancœurs, qui ont des explications autrement plus compliquées qu'on ne peut pas aborder aujourd'hui. Et ils se sont dit, là, on peut mettre le paquet. Si on arrive à provoquer une vraie guerre fratricide entre Algériens, entre Berbères et Arabes, ça va se propager au reste du pays, dans les régions berbérophones, dans les régions arabophones, et ça nous permettra peut-être là de préparer une future reconfiguration de l'Algérie en séparant le Sahara utile du nord qui ne sert à rien et on laissera les gens s'entretuer. À ce moment-là, on aura atteint notre but. Ce n'est pas ma thèse personnelle, c'est celle qui circule en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, ça paraît juste et plausible, puisque en fait la particularité de Rabé, c'est qu'elle est habitée par deux communautés, une arabophone et l'autre berbérophone. Donc, il est plutôt plus facile d'inciter ou de troubler la ville en mettant en avant les démons du communautarisme. Hélas, le coup, je dirais pour Rabelais, si on peut déjà s'exprimer sur le coup est bien réussi, entre parenthèses, réussi. Après, au moins, on constate effectivement que la haine s'installe de plus en plus. Restez avec entre nous, deux c'est communautés qui Nordine. cohabitent depuis des siècles. Restez avec nous, c'est Nordine. C'est l'Hajj Mohamed. Oui, Vous allô? avez entendu la thèse qui circule, que je viens de développer? Oui, j'ai bien entendu. Et qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, la thèse, moi je dirais, ça m'a fait penser à la parole du général Giap, le colonialisme. Est un mauvais Est un élève, mauvais élève, c'est un est un mauvais mauvais élève, élève. il ne retient pas les leçons de l'histoire. Et donc, s'il veut répéter à Gardaïa ce qui a échoué en Kabylie, il se trompe d'époque et de lieu. Oui. Mais toujours est-il que moi, je voudrais revenir, si vous permettez, Oui. un petit peu à l'appel qui a été lancé dans la dernière émission. Notre espoir est grand dans le peuple algérien. Le peuple algérien fait faire, puisque la preuve, c'est que l'exemple que vous avez cité, la Kabylie, où ça n'a pas marché, le Mzab encore, où ça n'a pas marché, l'unité du peuple algérien et sa maturité politique n'est plus à démontrer. Mais ce que je déplore, c'est que, par exemple, l'intelligentsia algérienne, face à ces problèmes, devrait être en première ligne. Et pour un petit peu aborder le problème et trouver des solutions à cette situation. Ne, Comment n'y est-ce que vous comptez pensez? pas trop, Allô? n'y comptez pas trop, Hajj. L'intelligentsia algérienne est aux abonnés absente depuis longtemps. Elle est à la Oui. mangeoire. Elle est à la Oui. mangeoire. Oui, mais ça n'empêche pas la responsabilité devant l'histoire et devant Dieu, hein, ça, c'est. Y a pas de doute. Ça, Y a pas de ça, doute. ça. Donc, je voudrais dire aussi que cette escalade, malheureusement, nous fait oublier la souffrance des victimes. Et s'il y a des victimes, s'il y a des trucs matériels, s'il y a des dégâts matériels et des dégâts psychologiques et sociologiques beaucoup plus importants. La population vit dans la terreur. Surtout les plus fragiles, comme les femmes, les enfants et les vieillards. Et je voudrais pas que
cette escalade nous fasse oublier ce qu'endurent les populations. Haj Mohamed, une question essentielle. Les Mozabites étaient réputés pour la grande autorité qu'avait l'Ayan, les notables. Et Chaanba aussi avait leur Ayan aussi. Comment se fait-il que l'Ayan Mozabite, mais aussi les chefs coutumiers des Chaanba, aient perdu de cette manière toute possibilité d'influence, non seulement sur leur propre communauté, mais même leur capacité à être de vrais porte-parole? Non, il n'est pas, on ne met pas en doute l'intégrité et la sincérité de l'ensemble des membres de l'AIN, enfin, sauf s'il y a des cas particuliers que nous ignorons. Mais si vous voulez, cette situation est une situation bien nouvelle et je pense que les compétences ou si vous voulez, les profils de personnes qui devraient répondre à ce type d'événement n'est pas au niveau pour répondre à ces développements. Ensuite, si vous voulez, la mainmise entre guillemets, si vous voulez, la discipline d'action ou l'unité d'action, etc., est très difficile à mettre en œuvre compte tenu des interventions des pouvoirs publics et des manipulations et des chantages. Restez avec nous, Haj Mohamed. Sinourdine Dadinono. Oui. Alors, je vous pose la même question. D'abord, comment se fait-il que l'Ayan ne soit pas au rendez-vous de cette tragédie, qu'ils ne sont pas à la hauteur, qu'ils sont absents, qu'ils sont effacés? On ne les voit plus, on ne les entend plus, ils ne représentent presque plus rien. L'État les considère par-dessus la jambe, il ne leur donne plus d'importance. D'abord, cette question. Et ensuite, je vous en poserai une autre. Ok, malheureusement, on va se dire que la vérité telle qu'elle est. Le clientélisme a malheureusement gagné même les instances ancestrales. Donc, je préfère m'abstenir de tout détail. Le régime et les contrôleurs du régime ont bien réussi à faire des relais partout. Et donc, ce qui fait en fin de compte que le régime veut dialoguer avec lui-même. Ça veut dire, pour être clair, on n'arrive pas pour être clair, réelle. Sinourdine. On ne veut pas reconnaître la vérité telle qu'elle est. Sinourdine, pour être clair, moi je comprends votre réserve. Vous êtes Mozabite, je connais l'état d'esprit qui règne chez les Mozabites, à l'endroit de leurs ayens, de leurs notables, de leurs, comme vous disiez, de leurs institutions ancestrales. Mais vous semblez nous dire que le régime a réussi à infiltrer même l'ayen. Ça veut dire que maintenant, même au sein de l'ayen, il y a des gens du régime. C'est ce que vous semblez nous dire. C'est ce que j'ai compris du moins. Effectivement. Ben voilà. Voilà. C'est terrible. Hein. Vous savez, moi qui connais bien l'histoire du Mzab, quand j'entends dire que l'Ayan des Bni Mzab, l'institution la plus noble, la plus représentative de leur communauté, celle qui a un passé immaculé, on arrive à se faire infiltrer par un régime prédateur, une mafiocratie, j'en tombe des nues. L'autre question que je voulais vous poser. La nature ayant peur du vide, les Ayens ne remplissant plus leur rôle, et au moment où d'autres factions un peu extrémistes, je dirais, qui commencent à apparaître, est-ce qu'il n'y a pas la tentation aujourd'hui parmi les Mozabites d'organiser une nouvelle représentation composée d'autres gens, d'autres parmi les Achères, toutes les Achères du Mzab? En fait, le respect aux institutions ancestrales, les Atlawafia, chez les Mozambiques, c'est quelque chose de sacré. Oui. Donc, donc, le respect à l'égard de toutes les institutions devient quand même quelque chose d'intouchable, sur la ligne rouge. Mais
D'autre part, les aspirations de la jeunesse disons, de la société civile vont plutôt à un changement profond au sein des institutions, de manière à échapper un petit peu d'être le relais du régime. C'est-à-dire, en clair, les Ayens resteront là, à titre presque honorifique, avec tout le respect qui leur est dû, mais que maintenant, la gestion de la crise va devoir relever d'autres personnes. Dans la réalité, c'est ça. Actuellement, la crise est plutôt, les gens vont faire face à cette crise à travers d'autres modes d'organisation. Et on aimerait bien que, on souhaite plutôt que le notable prenne conscience et redonne à nos institutions leur poids et leur respect qu'elles doivent. Et si demain, l'AIN réagisse et se ressaisisse et prenne le taureau par les cornes et vienne vous dire « nous allons vous représenter dignement », vous accepterez de nouveau qu'il soit vos représentants? Bon, la société demande, nous sommes devant un défi. Actuellement, nous avons un cadavre qui est dans la mort de l'hôpital Thierry Chambray. Les autorités et les comploteurs veulent faire avaler la version de l'accident de circulation. Oui. Nous demandons à nos notables de laisser le cadavre là, dans la morgue, jusqu'à où la vérité soit faite. Ça veut dire que vous demandez une contre-expertise. Si le notable réussit ce défi, eh bien, c'est la réussite totale. Ça veut dire que vous demandez une contre-expertise, vous demandez à ce que la personne décédée, Rabbi Rahma, ne soit pas inhumée avant que la vérité, toute la vérité ne soit faite. C'est la vie dominante de tout le monde. Très bien, cette émission est maintenant... Peut-être sauf, oui. Sauf une poignée de personnes qui sont au sol du régime, qui veulent, coûte que coûte, rester du relais. Merci, Sy Nourdine Dadinounou. Merci, Sy Hajj Mohamed Tlaï. Je m'excuse, cette émission est malheureusement arrivée à son terme. Salamu alaikum. Bonne soirée. Kiman Rislamt. À demain, j'espère.